toujours plus haut, titre du projet qui inaugure l'année des Olympiades culturelles à Marseille. Une trentaine de jeunes ont participé aux ateliers d'initiation et création qui se sont déroulés durant une à deux semaines dans les locaux d'Arcaos. Télécirque a vécu avec eux cette expérience qui mélange cirque et sport. Alors, le projet des Olympiades culturelles s'inscrit dans le cadre des JO 2024 que la France va accueillir. Et dans le cadre des Jeux Olympiques, il y a un appel à projet qui est sorti de la part de l'État, de Paris 2024, pour créer des projets qui associent l'art et le sport afin de réunir ces deux disciplines qui sont parfois trop opposées. La confrontation entre des habitudes différentes fait qu'on va avoir de nouvelles idées. Les amateurs qui sont dans ce projet-là soient intégrés à un processus de création. Comme ça, ça rapproche vraiment les arts du cirque et le sport. J'ai voulu faire partie de ce projet parce que c'est super intéressant d'avoir la possibilité de participer à une création avec une personne du cirque dont je ne connais pas la discipline, le trampoline, alors que moi je suis danseuse. Et après on va augmenter un petit peu, où ça peut vraiment partir avec les sauts. Au début, qu'il y a les... ce qui vous amène comme ça, on va travailler sur des trajectoires plutôt horizontales plutôt que verticales. Ça marche ? En fait, au début, ça a été surtout sous forme d'atelier, donc du coup de découverte pour eux de ce que c'était le trampoline, la danse verticale. Donc voilà, ça a été une transmission d'une technique et d'un savoir-faire, on va dire. Et après, j'ai dû bien leur expliquer qu'on allait vite rentrer dans une logique de création. J'ai voulu faire ces ateliers parce que j'étais très curieux de la création artistique. J'ai une expérience plus d'acrobate, mais pas encore de spectacle. Et en plus, le côté représentation sur la canne de bière est quelque chose un peu magique quand on habite à Marseille, du coup. Le challenge, l'envie de rencontrer des gens que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, et qui vont m'apporter de l'énergie. Et moi, je vais devoir prendre cette énergie, comprendre qui ils sont très rapidement, comprendre ce que veut le metteur en scène très rapidement et dans cette création très rapide, faire quelque chose de beau et d'efficace. On était 12, on ne se connaissait pas et voilà, c'est commencé à créer des affinités, créer ensemble, aussi créer une affinité avec le metteur en scène, avec Damien. Et tout, voilà, tout ce jeu-là, qui au début il y a de la timidité sur les corps, et petit à petit on se sent à l'aise, on voit où est-ce qu'on peut créer et comment on crée quoi, en collectif. Et je pense une chose qu'on sent beaucoup, c'est des gens qui viennent de sports individuels, ils n'ont pas l'habitude de se repérer par rapport aux autres dans l'espace. Donc ça, c'était un gros chantier de travail, je trouve. Ils vont pas pouvoir montrer tout ce qu'ils ont à faire, être à 100% de tout ce qu'ils ont découvert, qui est très nouveau. Et du coup, il va falloir un petit peu réduire, travailler plutôt sur la précision pour qu'eux soient moins stressés, plus à l'aise avec le nouveau vocabulaire qu'ils ont appris. Et pour le coup, avec le collectif Unisphère, on a vraiment voulu ouvrir notre lieu au quartier de la Cabucelle, quartier sur lequel Arcaos est implanté. Et donc, c'est un projet qui s'adresse vraiment aux jeunes du quartier de la Cabucelle. Et donc là, on a un groupe d'une quinzaine de jeunes qui vient tous les soirs, pendant une semaine, faire du freestyle football avec trois des artistes du collectif Unisphère. En freestyle, on a rarement eu l'opportunité d'être pendant une semaine avec des enfants de quartier et de pouvoir créer un spectacle à la fin et de montrer qu'en fait, avec le ballon, on peut, même si on n'a jamais fait de freestyle, en une semaine, on peut construire un spectacle en s'exprimant à sa façon avec le ballon et c'est accessible à tous. C'est vrai qu'au début, le premier jour, il pensait qu'il ne pourrait pas faire de figure ou c'est trop dur. Et l'épreuve de passer devant des gens, savoir que le dimanche, il y a un spectacle, c'est se dire ouais, « je vais rater, j'ose pas, je ne vais pas le faire ». Au fil des jours, tout le monde est passé, ça s'ambiance, tout le monde a confiance en ces petits passages, tout ça avec la musique qu'ils aiment bien. Ils pensent à des tenues, ils savent qu'ils vont être devant des gens. Et vu que là, ils commencent à maîtriser leurs gestes, ils se projettent plus, ils sont plus concentrés. Moi, j'attends surtout que tous les participants prennent du plaisir à découvrir l'expérience scénique.
J'attends une météo clémente pour qu'on ait quand même voilà, un peu de chance avec nous. À travers ces projets, pour moi, c'est surtout la rencontre entre des artistes et des personnes qui n'ont pas forcément un rapport avec le cirque. Qui prennent du plaisir à traverser tout ce vaisseau voilà, qu'on a construit, toute cette scénographie qui est quand même assez belle. Je suis assez content qu'on ait pu pousser ça. Ce que j'attends, c'est de l'émerveillement je veux dire, des enfants, des parents, des gens qui sont là par hasard ou des gens qui vivent ici aussi, qui connaissent l'endroit. Pour certains, c'est super grand d'être à la Canabière. Ils ont tous les amis qui viennent et ça, c'est trop beau à sentir. Ça, c'est contagieux. On est aussi comme ça enthousiasmés. Ce que j'attends dimanche, c'est qu'ils prennent du plaisir sur scène, qu'ils soient là, qu'ils soient fiers de ce qu'ils font parce que c'est pas facile déjà de... T'as juste une semaine pour apprendre des choses que t'as jamais vues en vrai. Et être devant des gens, et c'est pas quelque chose de naturel, tu te dis pas « oui, c'est bon, je suis devant des gens, c'est trop facile ». Non, il y a une pression, il faut avoir la bonne pression qui permet d'être content de ce qu'on a fait. Et j'ai confiance en eux, je sais que s'ils s'éclatent, le public va s'éclater, et nous, bah, c'est tout ce qu'on veut, hein, c'est du plaisir. On est sur la bonne voie en tout cas. Les jours J est arrivé. Les participants qui ont vécu cette expérience inédite ont eu la chance de se présenter sur la Canebière lors de la clôture de l'Entre-deux-Biac et dans les cadres des Aubou-la-Mer Cirque. Ils étaient ravis. On y va pour jouer, il est 11h, tout le monde est stressé dans la loge et j'arrive, on arrive et il pleut, est-ce qu'on joue pas? Et là on joue et c'est encore plus, ça allait être bien mais là c'était très bien, ils ont respecté tout le monde est heureux, enfin je les vois les regards et tout le monde est trop content. Trop bien de pouvoir partager cette joie avec les Marseillais sur la Canebière, trop belle rencontre avec Damien et toute l'équipe. Du kiff, franchement. On a bien réalisé ça, on a une super équipe pour construire le spectacle. Et voilà, c'était un beau moment collectif. J'ai bien aimé le côté où ils dansaient, quand ils faisaient des genres de salto et des vrilles. C'était incroyable. Vraiment bravo aux artistes.